quelque chose dans mon moteur s'était cassé. Je n'avais pas de mécanicien ni de passager. Il fallait à tout prix réussir à réparer ce foutu navire. Je devais faire avec les moyens du bord. C'était pour moi une question de vie ou de mort. Mes réserves ne tiendraient pas 8 jours. C'était parti pour le compte à rebours. Sur le sable à 1000 miles de toute terre habitée, j'étais plus seul que tous les naufragés. Comme sur un radeau au milieu de l'océan, imaginez ma surprise au soleil levant. Quand une drôle de petite voix m'a réveillé et j'ai vu un enfant blond à mes côtés, paré d'une cape et d'une longue épée, comme s'il sortait d'un conte de fées. Était-ce un rêve, une hallucination, à 1000 miles de la civilisation? Surgit du cœur de ce décor étrange un petit bout d'homme ou peut-être un ange. Sur le sable à 1000 miles de toute terre habitée, on était plus seul que tous les naufragés. Comme sur un radeau au milieu de l'océan, imaginez ma surprise au soleil levant. Sur le sable à 1000 miles de toute terre habitée, on était plus seul que tous les naufragés. Comme sur un radeau au milieu de l'océan, imaginez ma surprise au soleil levant. À 1000 miles, à 1000 miles, à 1000 miles. J'ai vu dans ses yeux des douleurs secrètes, comme le regret d'une rose sur sa planète. Regard en point d'interrogation, il m'a posé des tonnes de questions. Quant aux miennes, il n'y répondait pas souvent. Je crois que pour lui le plus important, c'était que je prenne une feuille et un crayon pour que je lui dessine un mouton. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.